Salut Nate. Où est Sam? Oh, il est juste là. Sam? T'inquiète pas, il est pas mort. Ce crétin a bien failli tous nous tuer. Je vais le sortir de là. Non, pas question. Tu pourras repartir avec le trésor, mais laisse-moi sortir mon frère de là. Après tout ce qu'il a fait, tu rigoles. C'est noble de ta part, mais non. Si on sort pas tout de suite, on va tous y rester. C'est ça que tu veux? C'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord, Nadine? Ravi de vous voir sur pied. Soyez gentil et soulagez Nate de son arme. Donne-moi ça. Tu crois que tu peux lui faire confiance? Hein? Te mêle pas de ça. Qu'est-ce que t'essaies de faire exactement, Nate? Nadine et moi, on est partenaires. Et moi, j'en tue pas mes partenaires. Pousse-toi de là. Par contre, ton frère et toi, dès le début, vous avez tiré profit de ma générosité. Vous avez essayé de m'évincer, et il est grand temps que je vous donne... Qu'est-ce que vous faites? Vous allez me donner votre arme. Nadine? Ne me forcez pas à le répéter. Vous êtes sur le point de commettre une énorme erreur. Regardez-la. Nadine, ça suffit. Putain! J'ai dit regardez! Ça va, ça va. Ce que je vois, c'est deux squelettes. Et alors? J'en connais pas autant que vous sur l'histoire en général. Mais je devine assez facilement de qui il s'agit. Eh bien, éclairez-nous. C'est Avery et Tew. Ils se sont entretués. Tant mieux pour eux. Quelle importance. Tous ceux qui sont obsédés par ce trésor récoltent ce qu'ils méritent. Et alors, tu vas nous laisser crever ici? Je vais juste vous laisser. Que vous creviez ou non, j'en ai rien à foutre. Nadine, attendez. Adieu, Raif. Nadine! Nadine! Ouvrez-moi cette putain de porte tout de suite! Raif, elle est partie! File-moi un coup de main qu'on sorte tous d'ici! Oh, non. Non, ça peut pas finir comme ça. Aide-moi à libérer ça, mais je t'aide à ouvrir la porte. Non, non, j'arriverai pas à profiter tranquillement d'une seule de ces pièces. Aussi longtemps que ton vaurien frère et toi, vous serez pas 6 pieds sous terre. Ok, écoute. Calme-toi. Si tu veux, on pourra jouer au pirate quand on sera deux. Nate, ferme-la! Sans rire, Rafe. C'est de la folie, même pour toi. Tu voles de la folie? Nathan Drake a fait la course contre une espèce de taré et toute son armée aux marches de Shambhala. Putain! Nathan Drake a trouvé une cité perdue au beau milieu du désert de Rubalcan. Allez, merde! On peut s'en sortir tous les deux! Nathan Drake fait la découverte du légendaire Eldorado. Allez, arrête! Arrête! Nathan Drake est une légende. Et tu sais, l'homme qui m'a dit ça, je dis. Arrête, allez, c'est bon, j'ai compris que tu m'aimais pas. Mais tu... Eh ben, tu vois, Nate... Malgré toute cette grandeur, tu n'as rien, tu n'es rien. Et je t'avais pourtant prévenu de ne surtout pas croiser ma route. J'ai sacrifié pour retrouver Avery. Je vais pas laisser deux petits voleurs à la manque. Un arnaqueur déclaré. Retour, me prendre ce qui me revient. Ça suffit. Tu tiens tellement à ta petite bande de losers que je vais faire en sorte qu'ils te rejoignent. En garde, tête de nœud. Ça, c'est l'esprit. Cette bataille. Allez, esquive, pars, mon sang.
tempête dont on parle tant. Ok, je m'en rends. On en reste là. Je perds mon frère et on s'en est là. Si tu veux rester brûlé ici, te gêne pas. Je vais te dire, mec. Sous tes airs de sale primeur, t'es rien de plus qu'un gosse malheureux. Qui aspire, en fait, à la grandeur. Et qui manie l'épée comme un pied. Adieu. Nathan! Tu sais vraiment pas t'arrêter, c'est fou. Tiens, résiste. On est toujours tout en vue. C'est un saloperie de plateau d'argent. J'ai accepté. Quelque chose. Tu dois me laisser obligé. Il n'y a plus rien à faire. Nathan, j'ai besoin d'être sûr que t'en es sorti. Nathan, il faut que tu sortes avant que tout explose. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu fous? Fais-moi confiance. Tu dois les chier. Essaie de te protéger. Ouais. Ça y est, je les ai trouvés, Sully. Vous êtes où? On est juste là. T'as rien oublié. Non, je crois que c'est bon.
Surtout, te gêne pas pour vendre tout ce que je laisse. T'es sûr que tu veux pas que je vous ramène ? Après tout ce qui vient de se passer, je crois que je préfère prendre un avion avec open bar et siège inclinable. Et puis, Elena et moi, il faut vraiment qu'on parle. Ça c'est sûr. Et arrête de m'appeler en pleine nuit pour me supplier de t'aider, t'as compris ? Juré. Je te remercie. Et gaffe à toi, petit. Et on reste en contact. La prochaine fois que tu passes, je te paye un coup. Ça, je te le rappellerai. Et alors, le lapin, il se met à détaler, sauf qu'il avait laissé tout un tas de petits cadeaux sur le plumard du directeur. Hey, qu'est-ce que tu lui racontes, là ? Alors comme ça, tu voulais être magicien ? Je te déteste. C'était quoi ton nom de scène ? Allez, dis-lui. Nate le Grand. Rigole pas, tu sais que c'était justifié. Pour sa défense, il était plutôt... t'étais doué. Écoute, Sam, j'avoue que ça a été une sacrée expérience de te rencontrer. Une poignée de main ? Bah... Arrête tes bêtises et viens là. Et prends bien soin de cette andouille, ok ? J'y manquerai pas. Vas-y, je te rejoins. Ok. Elle est chouette. La pauvre, elle a l'air très amoureuse de toi. Ouais, la pauvre. L'offre tient toujours, tu sais. C'est très gentil, mais ça va aller. Je sais, mais ne crois pas que tu t'imposes. Elena non, et moi, mais non, on en t'inquiète, parlé. C'est pas pour ça que je te dis non. D'accord, c'est un peu pour ça, mais... Je pensais que, après avoir trouvé le trésor d'Avril, je me serais senti... satisfait. Ouais. Au lieu de ça, j'ai comme... J'ai comme une étrange sensation de... Vide total. Ouais. C'est toujours pareil. Aussi exaltante que puisse être l'aventure, au final... On ressent toujours la même chose. Mais on n'a pas vraiment le choix. Faut décider de ce dont on a besoin et ce à quoi on renonce. Bah... Je crois que j'en suis pas encore là. De toute façon, t'as quelques cités perdues d'avance sur moi et je peux vraiment pas laisser passer ça. Je t'en ai quand même laissé quelques-unes. C'est trop gentil. Ah, tiens. C'est notre taxi. Bien. Sam... On revient de loin. Tu l'as dit, petit frère. Viens là. Surtout ne fais rien que je ne ferai pas, ok ? Allez, barre-toi, brigand. T'as du feu ? Ouais. Alors, Victor. Qu'est-ce que t'as prévu, Avant de me retrouver dans cette histoire, j'étais sur le point de réaliser une sorte de transaction. Et de quelle sorte, Dangereuse ? Oh, vu mes partenaires, oui. On peut dire ça. Bah, justement, tiens, je connais un mec qui vient juste de sortir de prison et qui serait parfait pour te filer un coup de main. Oh là, je sais pas. Il est digne de confiance ? Plus ou moins. Il parle portugais ? Quando o seu marido voltar para casa ? Et ça veut dire quoi ? Dans combien de temps il rentre ton mari ? Ça ira. Allez. Il te resterait pas un de ces cigares ? Bouge pas trop le bouchon. Ça va ? Ça va très bien. Très, très bien. Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe ? T'as décroché un gros contrat ? Oh, bien mieux que ça. Je suis sur le point de vendre Jameson Marine. C'est pas vrai. Eh si. Waouh ! Dans ce cas, j'imagine que les félicitations sont de rigueur. Non, c'est pas encore fait, mais ça devrait pas tarder à se conclure. On a rudement négocié, mais finalement on a réussi à trouver un compromis très satisfaisant. Ah bah écoute, c'est génial. Ouais. Est-ce que tu comptes rester ? Non. Il est grand temps que j'aille profiter du temps qui passe avec ma famille et que
que je me laisse aller au plus dur. Tu le mérites. Alors, dis-moi, c'est qui ce pigeon qui va tout racheter? Non, bah c'est toi. Quoi? Non, arrête, sérieusement. Mais je suis très sérieux. Attends, Jameson. Attends, mais où tu vas là? Salut! Comment ça va, vous deux? Qu'est-ce que t'es venu faire, là? J'ai pensé que ce serait bien de venir jeter un coup d'œil. J'ai donné les clés à ton mari. Mais... Parfait. C'est vrai, tout ça? Nate, ne perds pas de vue que ce serait un investissement très raisonnable. Alors fais le bon choix. Tu m'appelles après? Je le ferai. Salut. Salut. Tu vas acheter Jameson Marine? On va acheter Jameson Marine. Oh, ok. Comment? Et pourquoi? Ben, j'ai entendu parler d'une opération de récup au large de la Malaisie et je me suis dit que c'était pile dans nos cordes. Non, chérie, écoute. On a failli partir de Libertalia les pieds devant. Je sais. Alors accepter une opération illégale, tu sais exactement où ça va nous mener. Mais qui a dit que c'était illégal? Regarde. C'était au courrier ce matin. Elle est en règle? Ouais. Une de mes anciennes sources, elle a eu qu'à claquer des doigts au bureau des autorisations malais. C'était top, j'ai même pas eu à payer qui que ce soit. Ben, heureusement, parce que je vois même pas comment on aurait pu se permettre un truc pareil. Donne-moi la main. Quoi? Allez, donne-moi la main. Allez. Ça, alors. Ouais. Où est-ce que tu l'as trouvée? Elle était dans la poche de ma veste. Avec toute une poignée d'autres. Une poignée? Sam. Je sais pas comment il a fait. Bien sûr, tout ça va servir en grande partie à financer cet achat, ainsi que du matériel de tournage. Tu veux t'y remettre? Ouais. Comme on est parti pour remonter toute la cargaison, je me suis dit qu'on pouvait peut-être embaucher quelques personnes et tout filmer et relancer mon émission. Mais je croyais que ce que tu voulais, c'était de vivre une vie ordinaire. C'était ce que je voulais, mais à cause de ça, j'ai peut-être un peu... perdu les pédales. Écoute. Finalement, j'ai réalisé que... toutes ces aventures qu'on a vécues... tout ça me manque, Nate. Et là, on a une chance de faire ce qu'on aime le plus. Mais à partir de maintenant, il faudra qu'on fasse en sorte de toujours respecter la loi, ok? Et c'est moi qui réaliserai tous les tournages... avec, bien sûr, mon matériel dernier cri. Waouh. T'as bien réfléchi à tout ça, on dirait. Oui, plus ou moins. Mais tu sais, t'as qu'un mot à dire et j'annule tout avec Jameson. Quoi? Non, 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 non. Moi, je veux pas être le salaud qui va tuer dans l'œuf le rêve de Jameson. Ce serait cruel. C'est vrai, oui. Ça va pas être facile. Comme tout ce qui en vaut la peine. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Nathan Drake? Je dis, lançons-nous. Mm. Du moment que c'est pas moi qui m'occupe de la paperasse. J'aurais pas le temps, moi. Je serais bien trop occupé avec mes tournages. Et moi, je serais bien trop occupé à plonger. Bon, d'accord. On le fera chacun notre tour, alors. Ok. Ou alors, on pourrait le jouer à qui tout double? À mon jeu? Je me suis entraîné depuis la dernière fois. Je maîtrise maintenant. Non, si. Et j'ai une bien meilleure coordination qu'avant. Arrête! Je te jure. Tu veux vraiment que je te remette la pâtée? T'as peur de perdre ou quoi? Contre toi, sur non, une échelle de 1 à 10,
À quel point je te fais peur? Ben, je dirais 3. Ouais, arrête, sois honnête et dis plutôt que t'es à 11. Mais t'inquiète, je vais te faire ta fête. Tu crois ça? Ouais. Et voilà, c'est reparti. Ok. Ok, tu l'auras voulu. Qu'est-ce qu'il y a?